prison à main. C'est pour ça qu'il avait un dernier cadre de braquage. Il allait appliquer le 20 balles là-bas, personne ne le connaissait. Il était prosténète. C'est son ancien boulot là. Il est venu mettre sur nous, c'est ça, Ivoirien. Oui. De prosélytisme. Il avait un dernier cadre de braquage, il s'est retrouvé en Russie. Il s'est retrouvé en Russie. Ils l'ont mis en prison en Russie. Son coéquipier de comment on appelle les colocs de prison là. Il a dit, ils l'ont mougou quand c'est mollet, on est petit. Dis aux gens que tu as fait la prison en Russie. Dis aux ta followers, où tu prends une cravate, tes amis chinois qui sentent, ta bouche qui pue, tes aisselles poilues, avec tes petits mollets, les poils blancs dessus, des piquants à piquer. Dis aux gens, dis aux Ivoiriens, dis aux gens que, hé frère, aujourd'hui c'est le jour. Dis aux gens que tu as fait la prison en Russie. Qu'ils t'ont mougou dans la chambre. Mais tu as donné les costauds avec des voleurs, des violeurs comme toi. Oui. Parce que tu es un violeur. Oui. Toi, tu es voleur, braqueur et violeur. Oui. Donc, quand on dépend d'un attachement d'une femme, tu parles de ma mère, tu parles de mon frère. On est habitué. Dans ton direct, c'était là, puis je réelle tous les commentaires. Les gens disaient, mais tu dis rien de nouveau. Voilà. Tu dis rien de nouveau sur Leslie. Ton enfant au village. Toi, ça fait 30 ans que tu es aux États-Unis, frère. Question. Tu es passé par la Grèce. Question. Tu es passé par le Japon. Question. C'est beau. On appelle ça Boza interplanétaire. Ouais. T'as pas de Boza, c'est le haut niveau. Oui, ya. Moi, je suis parti du Mali. Hein. J'étais plus de 6 ans au Mali. Il fait chaud. J'ai fait 6 ans au Mali. 6 années. En 1 an et demi, j'étais à Bamako là. J'étais serveuse au Starnet. Ça existe. Il y a des traces. Après, j'étais serveuse au Biblos. Même après, les pouces blancs, signale le directeur. Après, j'étais serveuse à la terrasse. C'est dans ça un peu économiser mon argent. Il y a un ami qui m'a aidé. Je voyais un salon de coiffure. C'est comme ça qu'on a eu Dia en 2014. Dia était comptable à l'Orange. Elle m'a complété. Elle dit, bon, toi, tu gères. Moi, je voyage. Moi, j'ai toujours voyagé. Puis, partout au Togo, Sénégal, Gambie. Il partait prendre les marchandises pour venir. T'es ce bordel. Ta maman, elle est où? Parce qu'elle m'a dit, moi, 3 ans de bengue, frère. Quand on vient en Europe, c'est 5 ans pour s'installer. Oui. En 1 an et demi, mes papiers, 10 ans. Tu t'assois sur ton large cul qui est ouvert là. Yeah. Où était la mère de Maël. Maël, tu as passé ton temps à doiter. Yeah. Ton propre enfant, tu as passé ton temps. Mais tu es un pédo. Vu que tu as duré, il est bataillé le direct. Tu vas lire. Il t'a trop regardé. Trop. On t'a trop regardé. Tu penses que quoi? On est là quoi là? Et tu vois où est tes longs seins. Il t'a donné ses vêtements. On est là quoi là? Où est-ce que ses vêtements arrivent à tes vêtements? Je vois cette tête blanche, mais comme elle est maquillée, elle ne peut pas prendre. Ah, ok. C'est Rosa qui est dans la douche. Attends. Merci pour les étoiles, famille. La sœur de Maël, un moment là, vous n'avez pas remarqué, il ne vivait pas avec l'enfant. Tous les jours, c'était même cri là. Quin, 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 parce qu'il a enregistré la voix de son fils Maël. Et puis, il faisait jouer la voix tous les jours. Parce qu'on lui reprochait, il dit, mais toi, tu insultes les gens. Où est ton enfant? Donc, à chaque fois qu'il est en direct, il a pu supplé. Il a eu le téléphone, il a pu supplé. T'es où? Et puis Maël a regardé, toujours même pleure. Il a baissé la voix de Maël parce qu'il n'avait plus la garde de son enfant. La maman de Maël, elle est rentrée dans l'armée pour avoir ses papiers. Oui. Merci chérie. Je vais te délivrer comment le gars là, comment il s'appelle le pasteur là. Je viens te délivrer comme Gédéon. Un garçon bad. Alléluia. Sous la vie des femmes. N'a pas honte. Alléluia. Imbécile. J'avais déjà dit mon nom dans ton direct. Fils de pute va. La mère de ton fils Maël. Elle a fui de la maison parce que tu faisais des attouchements à son enfant. Oui. Tu es grand, vieux, 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 vieux. Yeah. Parce que Facebook, hein, il coupe les vidéos. Yeah. Tu es grand, vieux, 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 vieux. Elle a pont avec ton enfant. Elle était sans papier aux États-Unis. Parce que tu la faisais chanter à Maël. Tu es frappé de femme. On va même expliquer son vice. Quand la femme de Maël a fui l'enfant, l'enfant de Maël n'est jamais ton enfant. Pourquoi 54 ans aux États-Unis? Tu as regardé les Ivoiriens pour toi, tu as 44 ans. Un bécis chien. Tes mollets sont mis. Vous les voyez, la grosse tête, on dirait un cumois. Ou un cumois de finira devant Djoula. Un cumois de faire des tabaski là. Il la garde pour moi. Et puis ses mollets sont petits, petits. Et puis ses poils blancs, blancs qui est dessus. On parle là, tu mets teinture sur tes pieds. Oui. On parle, tu mets teinture sur tes pattes. Non, sérieux. On parle, tu mets teinture sur tes pieds. Je n'ai pas les poils blancs. Regardez mes pieds. Et puis tu montes tes pieds à cicatrices. Est-ce que c'est qui m'a...